Donc vraiment, ce que je vous dis là, faites-le vraiment au plus vite parce que je pense vraiment qu'Instagram va arrêter de faire ça. Est-ce que c'est possible de percer sur Instagram en 2021, avoir plein d'abonnés et surtout plein de DM de petites meufs? Bref. Donc le but dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder le nombre d'abonnés que j'ai là actuellement et on va se retrouver dans une semaine pour voir le nombre d'abonnés que j'aurai gagné. Je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça si jamais j'y arrive. De toute façon, si cette vidéo est là, c'est que j'ai réussi. Sinon, ça servira à rien si je gagne 2-3 abonnés. Bien sûr, l'objectif, ça va être d'atteindre les 10K. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais on va tout essayer parce que franchement, d'avoir 10K, c'est... Tu vois, c'est... T'as combien sur Instagram? J'ai 10K. Ah, tu peux mettre le lien? Ah oui, t'es pas obligé de dire va dans ma bio. Ouais, non. J'avoue, c'est grave mieux, quoi. Donc là, je suis actuellement à 4... Alors le focus. Ah, il faut cacher ma gueule, c'est vrai. Je suis actuellement à 4127 abonnés. On va se retrouver dans une semaine pour voir le résultat. Franchement, j'ai hâte. Au moins les 10K, s'il vous plaît, ça serait super cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. A tout de suite, let's go. Là, donc là, vous avez compris, on va se retrouver dans 7 jours. Anthony, au montage, ma petite jingle bien stylée. 7 jours avec des néons. Let's go. Bon, comment leur dire maintenant que c'était un échec total? Je pense qu'ils vont comprendre quand même, c'est mes abonnés. Je suis trop content, j'ai enfin dépassé l'objectif que je voulais, c'était 10K, j'ai dépassé. Bon, à vrai dire, je suis pas un menteur, je vais vous dire la vérité, le défi se devait terminer hier, j'ai eu les 10K hier, je vous montre le petit screen, sauf que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo hier, et entre temps, il y a eu beaucoup d'abonnés encore, et ça fait que monter, rien qu'aujourd'hui j'ai atteint les 12K ce matin, et là je suis déjà à 12,5, c'est un truc de malade ce qui se passe, et donc j'ai trouvé... Peut-être, sans doute. Danger, haters, attention. Je vais dire ce que je pense qui a marché sur moi et qu'est-ce qui pourrait marcher potentiellement sur vous, mais c'est pas sûr à 100% ce que je vais vous dire. Attendez, je vous vois venir déjà. Ouais, mais gros, ça y est, t'as 10K, 12K, ça y est, tu fais le malin maintenant. Non, les gars, si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider à vous. Donc commencez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, à dire ouais, arrête de donner des conseils alors que t'as 12K et tu fais que 600 likes par photo. Oui, c'est bon, je viens de mettre un siège, vous avez tout cramé parce que je suis petit, du coup, dans le cadre, je suis trop petit. Bon, du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, pourquoi ça a autant marché d'un coup. Je sais pas si vous en rendez compte, mais j'ai encore plus doublé le nombre d'abonnés que j'avais avant, il y a ça une semaine. C'est juste incroyable. Alors que surtout, vous le savez, sur Instagram, c'est dur quand même de monter en abonnés. Sur YouTube, on n'en parle même pas. Mais sur TikTok, par exemple, c'est hyper simple. Là, j'ai actuellement 80 000 abonnés. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, allez la voir. Comment faire une vidéo virale. Allez checker la petite vidéo. Je sais plus, je crois que c'est là, je crois. Non, oui, c'est là, je me souviens. Donc sur TikTok, c'est beaucoup plus simple. Et sur Instagram, ça doit faire au moins plus de 6 ans que je suis sur Instagram. Et j'avais que 4000 abonnés, je sais pas si vous en rendez compte. Et là, en une semaine, j'ai plus que doublé le nombre que j'ai récolté en 6 ans. C'est un truc de malade quand même, non? Bon, du coup, le fruit que j'ai récolté de mes petites graines là, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai voulu miser à fond? J'ai pas du tout misé sur les photos Instagram, ok? J'ai posté pendant cette semaine-là, je crois, je vais vous montrer les photos que j'ai postées. Pas beaucoup de likes, ça a pas trop marché, c'était pas trop ça et tout, même mes stories, rien à voir avec les stories. Et je sais plus qui, mais quelqu'un m'avait parlé des Reels. Donc d'ailleurs, si toi tu vois cette vidéo, merci de m'avoir conseillé d'aller là-dessus parce qu'on va dire que c'est pratiquement grâce à toi. En gros, Reels, c'est quoi? C'est Instagram qui a créé un nouveau format de vidéo. Juste à côté quand vous swipez à droite des photos. Et du coup ça propose un peu comme TikTok où vous pouvez mettre des vidéos où vous voyez le nombre d'abonnés un peu comme à la titre. C'est un peu TikTok sur Instagram. Et du coup vu qu'Instagram ils sont très malins, ils ont voulu concurrencer TikTok en prenant la même chose avec un algorithme assez simple et surtout pour pouvoir donner la chance à tout le monde. Du coup moi qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous avez vu justement la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure où j'avais fait une vidéo virale sur TikTok qui a dépassé les 11 millions de vues. Aujourd'hui je crois qu'elle est à 15 millions de vues. J'ai décidé de la mettre sur Instagram en Reels. Je l'ai mise et je me suis dit voilà on verra bien. Au début c'était ça a pas du tout marché. Je sais pas si j'ai encore les screens, je vous les mettrai de façon à l'écran. Ça a pas trop bien marché, tu vois, ça fait peut-être 7000 vues. Tu vois, 7000 vues c'est bien, mais ça va pas te rapporter beaucoup d'abonnés sur Instagram. J'ai fait bon, on a quand même essayé. J'ai attendu et d'un coup, il y a eu une explosion un peu sur cette vidéo. Maintenant, elle est à 1 million sur Instagram et ça m'a quand même rapporté quelques abonnés. J'ai fait oh tiens, j'ai republié encore des Reels qui ont marché sur TikTok. Le but en fait, c'est vraiment d'aller sur TikTok. Tu vois, ceux qui marchent, tu les mets sur Instagram. Et j'ai même des fois l'impression que l'algorithme sur les Reels d'Instagram sont plus simples que sur TikTok. Et donc ça c'est incroyable. Et surtout bah il y a bien sûr une vidéo qui a marché totalement qui est actuellement à plus de 10 millions de vues sur Instagram. Donc franchement en Reels sur Instagram 10 millions de vues c'est quand même ouf. Et donc c'est grâce à cette vidéo qui m'a fait rapporter énormément d'abonnés. Donc j'étais à 4000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus de 8000 abonnés juste avec une vidéo. Enfin plusieurs vidéos bien sûr mais surtout une qui a fait 10 millions de vues sur Instagram. Donc c'est juste... incroyable. Donc maintenant on va aller voir mes stats et ne quittez pas la vidéo à la fin, je vais vous donner des conseils et vraiment les meilleures astuces pour essayer de faire comme moi et gagner beaucoup d'abonnés en un minimum de temps. Désolé dans cette vidéo, je sais pas ce que j'ai là, je suis un peu mou là, je suis un peu trop sérieux, vous trouvez pas hein, la commu, ceux qui me suivent, vous trouvez pas? D'ailleurs si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir. Mets un petit like, un petit commentaire bien sûr sur cette vidéo et va voir les autres vidéos parce que sur les autres vidéos je suis pas sérieux comme ça en disant comment percer sur Instagram. Il suffit juste de prendre
J'ai bégayé. Bref, abonne-toi, ça fait plaisir, merci. Ok, donc avant de voir les stats, on va regarder aussi les photos pour voir est-ce que le nombre de likes a augmenté. Parce que si ton nombre d'abonnés il a augmenté et tes likes n'ont pas augmenté, ou même tes vues en story, ça sert strictement à rien que tu fasses ça. Et surtout, bah, c'est limite t'as chez des faux abonnés ou chez des abonnés inactifs. On va prendre une photo que j'ai prise avant le challenge qui était le 13 février. Elle était à 176 likes, plus le frérot Baptiste, 177 likes, ok. Donc voilà, je tournais autour des 200 likes quand j'avais 4000 abonnés, ok. On va prendre une photo que j'ai mise hier quand j'avais les 10K. Donc hier, j'avais à peu près 11 000 abonnés. Il y a 22 heures, j'avais 648, plus encore le frérot Baptiste, 649 likes. Franchement, je suis content. Alors, il y en a plein qui vont me dire 600 likes sur un compte à 12 000 abonnés, c'est pas énorme. Je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que le problème, c'est que quand j'avais mes 4000 abonnés, à l'ancienne, j'avais plein d'abonnés qui n'étaient pas actifs, vraiment plein. Et donc d'abord ça, c'est limite j'ai refait une toute nouvelle commu et surtout j'ai repris vraiment mon Instagram à zéro, on va dire. Un compte comme moi qui a à peu près 12 000 abonnés tourne autour des 1500 likes par post, ok. Et il n'y a pas que le problème aussi que mes anciens abonnés étaient inactifs, c'est surtout aussi que la vidéo qui a marché sur mon Instagram avec plus de 10 millions de vues, c'est une vidéo où je ne parle pas. Donc ça veut dire que c'est international. Alors c'est super, du coup ça touche beaucoup plus de monde que seulement les Français. Mais du coup malheureusement, enfin c'est bien, mais d'un côté oui et non, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui me suivent. Vraiment, on va aller voir les stats après justement. Et du coup, bah ils voient mon post qui est écrit en français, ça donne pas trop envie de liker, et voilà, limite il va se désabonner. Et donc c'est vrai que d'un côté, et même par rapport à mes stories, ils comprennent rien. Donc ils vont pas trop regarder mes stories. Donc c'est vrai que même au niveau de mes vues, mes stories, ça a augmenté bien sûr, mais pas autant que j'allais penser. Bon, on va regarder les stats vite fait, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur les stats. Vous voyez que vu d'ensemble, j'ai touché 8 millions de comptes. C'est ouf. Plus 976% par rapport à avant. C'est un truc de dingue. Ensuite, interaction avec le contenu, j'ai fait plus 267%. Votre audience, 12,5 000 abonnés, plus 107,2%. C'est énorme. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est sur les 7 derniers jours. Mais si on fait sur les 30 derniers jours, vous voyez que c'est juste incroyable la croissance de mon Instagram, comme il a monté d'un coup en seulement une semaine. Donc voilà, c'est ça que je voulais voir avec vous. Mes abonnés en France sont 26,1%. Aux États-Unis, ils sont 10,4%. En Inde, 7,6%. Enfin bref, vous avez compris que du coup, en France, bien sûr, c'est la majorité, encore heureux, mais il y a beaucoup aussi de pays étrangers qui ne parlent pas la langue. Donc malheureusement, c'est pas eux qui vont commenter mes posts, c'est pas eux qui vont interagir avec moi sur mes stories Instagram ou alors aller voir ma chaîne YouTube. Et pour moi, Instagram, c'est vraiment une plateforme qui va m'aider à amener plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc pour moi, le but ultime, c'est ici à Instagram, ici à TikTok, et les deux vont m'amener des abonnés sur YouTube. Parce que pour moi, c'est le plus important, YouTube. C'est ce que j'aime le plus. Donc maintenant, je vais vous donner les conseils. Qu'est-ce que vous devez faire sur Instagram? Vous devez bien sûr poster régulièrement des photos pour vraiment montrer à votre communauté que vous êtes là. Surtout, mettez des stories, ça fait plaisir. Mettez des stories, montrez que vous êtes vraiment sur la plateforme et que si on vous suit, et bah, tous les jours, on aura des petites histoires de vous, des petites stories, enfin des trucs qui leur fait plaisir, quoi. Donc vraiment, ce que je vous dis là, faites-le vraiment plus vite parce que je pense vraiment qu'Instagram va arrêter de faire ça. Faites des reels. Vraiment, faites-le parce que en ce moment, Instagram donne la chance à tout le monde avec l'algorithme qui est assez simple pour vous faire connaître avec les petites vidéos. Faites-vous plaisir. Faites de l'humour. Ça dépend ce que vous faites sur votre Instagram, mais faites un peu de tout. Moi, j'ai vraiment fait ce que je voulais, de l'humour, des petits pranks, des trucs, voilà, assez drôle. Donc voilà, maintenant vous avez la clé pour percer sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Envoyez-moi un petit message. Si jamais vous avez des questions, venez m'envoyer des messages. Même si, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai fait un peu sans vraiment réfléchir et ça a marché pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Et puis n'oubliez pas, sur ce, prenez soin de vous et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et non, vous avez cru que j'allais faire un truc de ouf, mais pas du tout. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager.